pour le matériel, vous aurez besoin d'un feutre noir, d'une boîte d'allumettes, d'un scotch et de 2 allumettes. Pour commencer, vous allez prendre une des 2 allumettes, celle que vous voulez, et vous allez colorier avec votre feutre noir, voilà, comme ceci, le petit bout rouge. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous obtiendrez ça. Voilà, donc en fait, le bout d'allumette est noir, voilà. Alors je pense que vous l'avez compris, en fait, le but va être de faire croire que cette allumette a déjà été cramée, d'accord? C'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas en mettre partout du noir et bien cacher le rouge. Alors une fois que vous avez bien colorié tout en noir, vous allez devoir accrocher les 2 allumettes comme ceci avec du scotch. Donc, vous découpez à peu près un bout de scotch comme ça, voilà, et vous accrochez donc les 2 allumettes. Donc je vais accélérer parce que je vais légèrement galérer. Voilà, donc avec la magie du montage, j'ai réussi à les accrocher en 1 seconde. Voilà, oups, excusez-moi. En fait, donc vous devez avoir donc votre bout de scotch, voilà, comme ça, et donc pouvoir rentrer les 2 allumettes comme ceci. Ce qui fait que vos 2 allumettes sont accrochées. Voilà. Je vous montre, c'est un peu flou, mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Voilà, donc, pour la préparation, ça va être très simple, en fait. Vous allez devoir déjà montrer votre allumette, donc comme ceci. Bien évidemment, en cachant avec vos doigts l'autre allumette. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, donc, après, c'est que vous allez dire... par exemple, après, vous faites votre blabla, quoi. Après, vous inventez votre texte. Donc vous allumez la première allumette, voilà, donc vous l'éteignez, voilà, et là, en un mouvement, et ben vous allez en fait pivoter pour récupérer l'autre allumette en fait. Et vu qu'on a colorié en noir, ils vont croire que c'est exactement la même en fait. Voilà. Donc après, donc vous êtes comme ça, vous l'avez allumé votre allumette, dans un mouvement, vous pivotez. Voilà, et après vous attrapez encore votre boîte, et là vous dites, bah regardez, je peux quand même réussir à l'allumer 2 fois, et là vous l'allumez. Et voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit tour de magie vous aura plu, donc moi je vous dis bye tout le monde, et à la prochaine pour un prochain tour de magie. Bye bye. Avant de te quitter, je voulais te souhaiter une bonne rentrée, en tout cas si tu reprends demain les cours, moi en tout cas je reprends demain, donc bonne rentrée, et bye.